Merci de nous retrouver à Lourdes, où vous le savez, se poursuit l'Assemblée plénière des évêques de France. Je suis aujourd'hui avec Monseigneur d'Agens qui préside le groupe de travail sur l'indifférence religieuse et la visibilité de l'Église, l'un des thèmes qui est au cœur des travaux de cette Assemblée. Monseigneur d'Agens, bonjour. Bonjour. Alors, tout simplement, quels sont les enjeux autour de cette question de l'indifférence et de la visibilité de l'Église ? Indifférence religieuse, visibilité de l'Église, ce sont des termes qui expriment évidemment une inquiétude. On peut dire l'indifférence grandit, que faire ? La visibilité de l'Église semble se réduire, que faire ? Bien, je souhaiterais que nous puissions aller au-delà de l'inquiétude et exercer notre discernement spirituel. Discerner, ça veut dire regarder au-delà des apparences immédiates. Il y a de l'indifférence, mais en même temps, il y a beaucoup d'attentes spirituelles. Quelles sont ces attentes, alors ? Les prêtres et les chrétiens, les hommes et les femmes qui accueillent des gens, qui désirent le baptême pour leur enfant, qui se préparent au mariage, ou bien les gens qui ont participé à des obsèques catholiques ou à une célébration heureuse ou simplement priante, beaucoup de ces personnes découvrent la réalité chrétienne. Il y a ignorance et indifférence, mais il y a en même temps état d'attente et de découverte. Alors, Monseigneur, je vous retourne juste un petit peu, on vous voit un peu plus face à la caméra. Alors, comment est-ce que vous travaillez ? Puisque donc, il y a ce groupe de travail qui a été mis en place il y a un an, hein, ici même, lors de l'Assemblée de novembre 2007. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour avancer sur cette réflexion, alors ? Un groupe de travail, c'est léger. Et le président porte le groupe de travail à sa manière. Le groupe de travail, c'est un chemin ouvert. C'est aujourd'hui la deuxième étape. Il y avait une étape au mois d'avril, deuxième étape en ce mois de novembre 2008. Et j'espère qu'avec le travail des carrefours contre évêques demain matin, de l'Assemblée générale, tous les évêques demain après-midi, nous pourrons dessiner un chemin un peu plus prolongé. C'est-à-dire poser la question aux... Dans les mutations actuelles de la société et de l'Église, qu'est-ce qui s'efface ? Qu'est-ce qui disparaît ? Et qu'est-ce qui nous préoccupe ? Et en même temps, qu'est-ce qui apparaît ? Qu'est-ce qui émerge ? Et comment voyons-nous des enfants, des jeunes, des adultes qui sont en état d'attente et de découverte ? Nous avons besoin d'abord de partager nos expériences de découverte chrétienne. Et à partir de là, eh bien, nous essaierons, je l'espère, de mettre en commun des convictions précisément aussi communes que possible sur la nouveauté chrétienne dans notre société oublieuse de ses racines. Merci, Monseigneur d'Agens. Et voilà, nous vous retrouverons dans quelques heures pour un prochain flash.